T'avais pas un peu pitié que je danse ici toute seule et tout? Je sais pas, bref. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Defuga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors comme vous le voyez là, hein, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez lu, aujourd'hui on revient pour un haul. Franchement, sans vous mentir, après un an, si vous regardez bien, le dernier haul que j'ai fait c'était en mai 2022. C'est une dinguerie quand même. Hein. Et c'est tout de même qu'entre temps j'ai reçu des articles, mais moi en fait je dors trop. Hein, j'aime trop pioncer, ce qui fait que je faisais pas de haul. J'étais là, et les gars, c'est n'importe quoi. En vrai de vrai, je dors trop. Mais là, j'espère me reprendre en main. Je dis tout le temps ça, mais là, j'espère sincèrement me reprendre en main. Et du coup, pour ça, je vous fais un haul. De toute façon, je vous ai demandé sur mes réseaux si vous étiez toujours haul. Si les hauls, c'était toujours votre délire, parce que je vous mens pas un an sans haul. Enfin, je sais pas. Pourtant, entre temps, on me demandait des hauls, mais je sais pas, on sait jamais. Mais bref, donc comme je disais, là, je vais faire un petit haul avec des petits articles entre 10 et 15. Je sais plus combien on a. Vous allez voir, il y a plusieurs styles et tout. En plus, j'ai voulu changer de style. Vous connaissez un petit peu mon style, un petit peu, vous voyez? Mais là, il y aura un petit peu des trucs féminins, des mini, des trucs. Vous me direz si ça change de d'habitude et vous me direz si vous aimez bien. Voilà, en plus, en parlant de Fashion Nova, du fait que j'ai reçu des articles entre temps, bah là, en fait, je suis tout en Fashion Nova. Ça, j'ai déjà fait un haul dessus il y a 2 ans, si je me trompe pas. Ça, je l'ai reçu cet hiver, en novembre, si je me trompe, ou décembre. Et ce pantalon-là, ce cargo-là, justement, il fait partie de ce haul d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, commençons. Attendez, action. Donc, comme je viens de vous le dire, donc j'ai pris un cargo. Il est super, super beau. Calculez pas ce qu'il y a en dessous, mais pour vous dire que j'ai pris du XL, je crois, pour qu'il me fasse un petit peu gros. Si, parce que si j'aurais pris L, il serait serré, je crois, au niveau de là. Il serait pas gros comme je veux. Je vais vous montrer, je vais me monter sur la chaise comme d'habitude. Mais genre, j'aime vraiment beaucoup. Genre, il est trop, trop beau. Là, franchement, on est encore un petit peu dans mon délire. On est encore un petit peu dans mon univers. Il se présente comme ceci. Il y a 2 poches sur les côtés. Tac. Dans tous les cas, je vais vous mettre l'article. Moi, il était présenté sur le site. Donc, il y a des fils et tout, vous connaissez. Bon, je vous mens pas, je l'ai déjà mis. Et la plupart des articles, je les ai déjà mis. Ok. Genre de base, moi, je fais du 38. Si vous voulez à peu près le même résultat que moi, prenez du XL. Et en plus de ça, pour les filles grandes, regardez. Il traîne. Calculez pas mes pieds, s'il vous plaît. Mais ils traînent, les filles, ils traînent. Ensuite, second article. Franchement, les gars, si vous calculez mon ventre, c'est le dos. Mon gros bidon, là, si vous calculez, c'est votre dos. Du coup, prochain article. Comme je vous ai dit, j'ai jamais les articles. Et lui, je l'ai taché. Les gars, je l'ai taché avec un œuf. Là, il y a un œuf dessus. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un œuf. Du coup, s'il y a un haut comme ça, les gars, je kiffe. En plus, avec le pantalon, ça fait trop bien. Même la tenue, carrément, j'aime bien comment ça rend. Même une petite picture, histoire de faire et tout, t'as vu. Franchement, je kiffe, c'est trop mon délire. Là, je suis pas encore sortie de ma zone, mais franchement... Après, lui, je crois que je l'ai pris en M, si je me trompe pas. En tous les cas, je vous mettrai et je vous mets aussi l'image qu'il y a sur le site. Et du coup, il baille un petit peu. Genre, s'il serait plus serré, je sais pas si j'aurais kiffé, mais là, je kiffe le mood. Je kiffe le mood. Donc voilà, on peut passer à l'article suivant. Ensuite, un body blanc, les gars, la base. On manque de basique. Il y a des choses basiques qu'on pense pas à acheter. Un body blanc, col, t-shirt, les gars, la base. Là, j'ai déjà fait une photo avec il y a 2 semaines, je crois, je sais plus. Les gars, c'est la base. Hein. En plus, sur la photo, j'étais habillée pareil, si je me trompe pas. Sauf que c'était pas ça, c'était un... Bref. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram d'ailleurs. Et ouais, franchement, body blanc, c'est la base. Vous connaissez. Hop. En mode bien. Voilà, qui sert bien. En vrai de vrai, il n'y a pas grand chose à montrer à part que c'est un body blanc basique qu'il vous faut dans votre garde-robe. Donc du coup, j'en ai profité pour en prendre un. Et bah, c'est la base, hein, comme je vous ai dit. L'oreille compresso. Bref. Encore des trains chez moi. Ah oui, je vous mets comment il était sur le site, sur le mannequin. Juste là. Et maintenant, on peut passer à l'article suivant. Alors, cet article-là, j'étais un petit peu perplexe en le prenant parce que moi, je suis pas une meuf des jupes.
encore moins des jupes longues. Mais déjà sur la mannequin, ça faisait super beau. Et comme je vous ai dit, je voulais un petit peu changer. Et en fait, je sais pas ce que j'en pense. Je vous mets sur le mannequin comment ça a rendu. Et en gros, en fait, c'est beau. Et je ne saurais pas comment m'habiller avec. Là, en l'occurrence, j'ai gardé le body. En réalité, je ne sais pas comment je pourrais m'habiller avec. Je sais pas si comme ça, ça le fait. Je sais pas du tout. Je vais vous montrer du coup, de haut en bas, comment ça rend. Ça va jusqu'en bas, vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est le fait de monter qui épuise. Hein? Donc, je sais pas si j'ai pris une taille trop, trop à ma taille. Je sais pas si se met comme ça. J'aime beaucoup genre le aussi, bah vraiment jusqu'en bas. Ouais, genre j'aime bien, mais c'est vraiment le comment m'habiller avec qui me dérange. Enfin, qui me tracasse l'esprit là. Donnez-moi des idées, ou même par rapport aux vêtements que je vais vous montrer, peut-être qu'il y a un truc qui va aller avec. Mais voilà, en tout cas, la couleur pierre comme ça, cargo façon, j'aime beaucoup. Franchement, c'est à voir. À voir. On se retrouve avec un nouveau pantalon. Donc là, c'est un pantalon parachute. Je vous mens pas, j'en ai déjà dans ma garde-robe. Du coup, je vais tester cette Fashion Nova. Parce qu'on en a jamais assez en vrai. En fait, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Le truc qui me dérange, c'est soit il est pas assez parachute. Soit il n'est pas assez long, en fait il est long. En fait, je crois que c'est la paire de chaussures qui va aller avec, c'est la paire de chaussures qu'on mettra avec qui va jouer, je pense. Je vais vous montrer, genre il est joli, genre, en vrai. Les petits détails et des petits carrés dessus. Vous voyez un petit peu c'est quel genre de matière. Je sais pas ce qu'il ressemble, quand il se rapproche de ça. Je sais pas. Comme je vous ai dit, il va jusqu'en bas. Mais je sais pas, il y a un truc qui me... Je sais pas, aidez-moi, help me, please. Et on avancera. Mettre les poches derrière et tout. Franchement, j'aime bien. Ça va un délire. Article suivant. Zéro pointé, le prochain article. Donc, j'ai pris un jean noir. Pour avoir au moins un basique, comme je dis, comme ce haut. Les gars, zéro, hein. Zéro. En fait, je sais pas, il me va pas. Je sais pas, même en bas, commence à couper tout. Je sais pas, j'aime pas, je peux... Non. On peut passer à l'article suivant, s'il vous plaît. Je vous promets, j'ai une coupe. Genre. Non. Du coup, on passe à l'article suivant. J'aime pas du tout, pour de vrai. Kim Possible sur vous, hein. Kim Possible. Oh, là, ça n'a rien à voir avec le haul. Juste, je voulais vous montrer un article que j'aime beaucoup. Et que, du coup, pour moi, on doit l'habiller en all black. C'est cette veste. Je pense que ça fera pas l'unanimité. Mais les gars, j'aime trop. Oh mon dieu. Les gars, j'aime trop. J'aime trop. On est d'accord que ça se met plus en mode all black. Non? Les gars, j'aime trop cette veste. Les gars, genre c'est un délire. J'aime trop les détails. Là. Ouh. Les gars, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Genre. Je sais pas si c'est mieux qu'elle se mette en mode comme ça. Ou en mode... fermé, genre. Bon, on va pas tout fermer, merde. Je sais pas comment... les gars, j'aime trop. Je vais vous montrer comment il était sur le mannequin, encore une fois. Et les gars, j'aime trop. Genre, j'ai ça. Là, c'est vraiment mon délire. J'avais pas de veste en jean. Enfin, si, j'en ai une, mais j'ai déjà présenté une dans un ancien haul. Mais je sais pas où elle est passée. Je sais pas. Mais franchement, cette veste pépite, je crois que c'est l'un de mes coups de cœur avec... le bas là pour l'instant, le premier cargo, mais les gars j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'aime trop. Je vais enlever mon body parce que j'ai chaud, mais j'aime trop. Bref, article suivant. Les gars, j'avais pas vu la veste. En fait, la plupart des articles, vous avez déjà essayé. Ça, je l'ai jamais mise. Les gars, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, attendez. Elle est trop belle et regardez le détail. Finish to finish, en fait. La totale, les gars. La veste, elle est trop belle. Je l'avais pas mise. J'avais pas vu comment elle était. Mais elle est trop jolie. Pareil, je mets l'article sur le net, comment il était. Mais les gars, il est bien mon haul, hein. Je crois qu'il est bien mon haul. Mais genre, les détails et tout. Oh, j'avais pas vu. J'aime trop. J'aime trop. On y va. Allez, moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ce que tu proposes.
J'aime bien ta petite dessin. Ah non, franchement, elle est super jolie. Même la couleur du jean et tout, parce que c'est pas pareil que... C'est pas le même jean que celui-là. Vous voyez, lui, il est un petit peu plus clair. Mais je kiffe, carrément, je préfère ce jean-là que lui. Et j'aime beaucoup. Bref, on passe à l'article suivant. Espérons que j'enlève le bougie parce que là, j'ai vraiment chaud. Pour de vrai. Bon, ça, j'avoue, j'abuse. Je l'ai racheté pour plaisir. J'en ai des millions et des milliers. Des petits basiques comme ça. Mais je sais pas, les petits détails ici, façon fleurie, j'aimais bien. Du coup, je l'ai pris. Tout ça fait pas mal, un petit débardeur blanc et tout. La matière, elle est un petit peu... J'allais dire la gomme. La matière, elle est bien élastique. Stretched. Et ouais, franchement, vous le mettez avec tout. Leggings, pantalons, jupes, tout, 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 tout. Et ouais, en vrai, de vrai, c'est un basique. C'est un basique. Comme pour les autres, comment ça rendait sur le site. Mais en soi, voilà, il est simple, quoi. J'aime bien. Mais en fait, là, faut que je fasse quelque chose pour le bidou. En fait, là... Donc là, c'était rapide. Article suivant. Dites-vous, les gars, on est loin, mais très, très loin d'avoir terminé. Un autre body que je remets avec le cargo. Qu'est-ce que vous en pensez? Les détails. Vous voyez un petit peu, genre... c'est en deux fois, quadrillé un peu. Dedans, c'est un. Moi, marbre, il y a rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-toi, Yaya. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous l'auriez mis? Comment vous serez habillé avec? Dites-moi tout. Est-ce que comme ça, ça le fait? Mais je pense pas que ça le fasse. Juste mis le bas parce que... Eh, le pantalon noir, là. Moi, j'aime bien. J'aime bien, mais genre, je sais pas comment m'habiller avec. Comme la plupart des vêtements. Je ne sais pas comment m'habiller avec. J'ai l'impression qu'avec le bas, ça le fait bien. Dites-moi si je me trompe. Et bah, franchement, j'aime bien, mais... Ça donne chaud, hein. Mais il faut des vêtements comme ça pour sortir dans ce temps-là. Vous voyez, il fait chaud, mais pas chaud. Quand t'as une veste, t'as chaud, mais quand t'as pas de veste, t'as froid. Ça, je pense, ça pourrait faire l'affaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai pas pris pour rien. Aussi l'article sur le tech. Et ouais, franchement, pas mal, hein. C'est canon, c'est canon. Allez, moi, j'ai... Bref, article suivant ou pas? Oui, les gars, je sais. Je sais que ça ne va pas ensemble. Mais c'est juste pour vous montrer. Mais je sais que ça va pas ensemble. Du coup, les gars, ça c'est sexy ça. Mais c'est beau. Justement, c'est super joli. Mais c'est pas moi. On change un petit peu de bas. On sort un petit peu de sa zone de confort, vous le savez. Et franchement, j'aime bien. Hein. Je sais pas, je pense pas qu'il y avait un ensemble avec. Je sais pas avec quoi ça pourrait se mettre ça en vrai de vrai. Je pense une jupe en cuir, que en cuir, genre. Pas avec les détails. Du coup, regardez les détails. Même de la jupe et tout. Genre, c'est pareil un peu. Donc, je pense pas que ça fasse beau. J'aime pas l'assemblage. Mais j'aime bien les deux séparés. Où je mets tout sur le tech. Ici, le haut. Ici, la jupe. En plus, c'est une mini, hein. Blaguez-vous. Les gars, j'ai chaud, hein. Ensuite, encore un haut qui n'est pas mon délire de base. J'ai pas de haut comme ça. Mais voilà, c'était pour tester et tout, vous connaissez. Et c'est trop mignon, les gars. Les filles qui s'habillent comme ça, j'aime trop. Faut qu'ils mettent des trucs comme ça en mode tous les jours. Genre, ils ont que des hauts comme ça. J'aime trop votre vie. Franchement, j'aime bien. Genre, j'aime bien. Je pense que vous en pensez. Il est flexible et tout, hein. Franchement, j'aime bien. Dites-moi aussi avec quoi ça pourrait se mettre. Je pense qu'avec ce pantalon, encore une fois, ça pourrait le faire. Mais dites-moi, hein. Parce que moi, je sais pas m'habiller, je crois. Et les gars, j'ai chaud. Ça fait mille fois que je l'ai dit. Là, il me faut de l'eau, là. Oh. Ensuite, là, on revient aux sources. Là, on revient chez Magdala. Ça, c'est moi. T'as vu? Petit ensemble. Comme j'aime. Ma vie. Oh, les bourrelets. Comme j'aime. Ma vie. Derrière, bon, le détail derrière bof, mais voilà, c'est un ensemble comme j'aime, comme j'en ai des millions et des milliards et des milliers, j'en ai trop, mais je continuerai à en acheter. En fait, ça, c'est vraiment mon identité, pour de vrai, c'est vraiment moi. Du coup, voilà, il me va jusqu'en bas, il va jusqu'en bas, ça fait ressortir mon allez, popote. Je mets l'article sur le tech, comme d'hab. Les gars, vous voyez mes cheveux, mon visage, il commence à briller. Pour vous dire, ça fait très longtemps que je suis en train de tourner. On va arriver au dernier. Je crois, j'espère. Bon, là, je vous montre pas que la casquette, c'est n'importe quoi. On revient chez moi.
Pareil, c'est un ensemble comme je les aime. En fait, c'est plus cette matière-là que moi je kiffe. Est-ce que vous voyez c'est quelle matière un petit peu ça? Après, personnellement, pour cet ensemble, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ça. Vous voyez? Que ça fasse vraiment un sang bretelle, genre. C'est transparent, mais en gros, il y a les trucs là pour resserrer et tout. C'est pas comme les trucs en plastique qu'y a dans les vêtements là. C'est vraiment un truc qui fait dedans, enfin qui fait avec. Mais franchement, j'aime bien dire c'est WAM. Hein, vous savez, vous connaissez votre go. Vous-même, vous connaissez votre go. Comme je vous ai dit, j'aime trop les couleurs beige, pierre. Et le haul est terminé. Je vous mets l'article sur le côté. Dites-moi si vous avez aimé ce haul. Donc, je disais, dites-moi si vous avez aimé ce haul. Moi, personnellement, pour moi, là, il n'y a que des pépites en vrai de vrai. Il n'y a que des pépites. N'hésitez pas surtout à me dire avec quoi je pourrais mettre les articles. Parce que là, on s'entraide en fait. Parce que là, votre quoi, c'est pas s'habiller. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut. Bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime.